Hey les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un jeu que je pense que tout le monde connaît. C'est le jeu... Attendez une seconde. C'est le jeu du mur de la mort. Moi j'appelle le mur de la mort, voilà. C'est un jeu qui se trouve sur Roblox, voilà. Le but de ce jeu, les amis, c'est de franchir tout le long couloir que vous voyez là et de passer en fait de passer toutes les portes, voilà. Vous passez une par une, voilà. Toutes les portes. Vous passez dans tous les couloirs du jeu. Enfin, tous les couloirs, voilà. Enfin, tous les petits. Les petits murets comme ça, voilà. Et en gros, il faut aller jusqu'au bout du jeu pour atteindre le niveau final, voilà. Et vous gagnez un badge, voilà. Il faut savoir que vous gagnez un badge dès que vous avez fini ceci. Et vous gagnez aussi aussi un badge. Quand vous appuyez plusieurs fois sur le bouton rouge pour essayer de faire perdre plusieurs personnes, voilà. Pouvez appuyer sur le bouton rouge, voilà. Et aussi, en fait, il faut passer tout le couloir avant de se faire tuer. Vous passez dans les petits coins sur le côté du couloir. Enfin, vous m'avez compris. Voilà. Et dès que vous avez terminé tout le long, et bah vous avez gagné le par enfin, vous avez gagné la partie et vous obtenez un badge. Voilà. Il faut savoir les amis que ce n'est pas le plus dur. Vous avez le impossible, c'est-à-dire que c'est le plus dur du jeu. Voilà. Il pense que c'est dur de franchir ce mur parce que le mur il va plus vite que le premier. Je pense que c'est difficile, mais pour moi c'est pas difficile car j'ai obtenu ce badge les amis. Et vous aussi vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire aussi mais grâce aux potions parce que sinon vous n'y arriverez jamais. Grâce à la potion du x6, vous pourrez l'avoir. Alors, je vais vous faire voir le prix de cette potion. Cette potion, les amis, elle coûte. Allez ici. Ah ben, je sais pas le prix, mais je pense qu'elle coûte, enfin, elle coûte excessivement cher. Mais il faut faire des économies, les amis. Vous pouvez pas utiliser pour n'importe quoi si on vous arrivera jamais à avoir cette potion. Et quand vous avez terminé, voilà, ce niveau-là, dès que vous avez terminé d'aller jusqu'au bout de ce couloir. Vous obtenez une potion magique plus que x6, voilà. Et donc, dès que vous l'avez, vous pouvez l'utiliser, voilà. Voilà, l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser et la boire, et ça va plus vite que le x6. Voilà le résultat, plus vite que le x6. D'ailleurs, je me suis planté dans le mur. C'est juste fantastique, voilà. Le mur va repartir, voilà. On attend qu'il passe. Il va passer peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Ah, il a déjà passé. Vous passez tout ça. Il arrive, il arrive, il arrive. C'est bon. Dès que vous avez passé tout ça, et voilà les amis. Ah, je suis mort. Bon, c'est pas grave. Bon bah voilà les amis, vous avez compris le système du jeu. J'espère que je vous ai bien expliqué comment marche le jeu. Enfin, si vous n'avez pas compris, je vous explique à nouveau. Voilà. Alors le but du jeu les amis, c'est de franchir tout le long couloir avant que le mur vous tue. Voilà.
avant que le mur vous écrase en mille morceaux et que vous perdez la partie. Alors pour cela, pour éviter de se faire tuer par le mur, il vous suffit tout simplement de passer toutes les petites portes sur tout le long du couloir pour en fait attendre que le mur passe, revienne, et puis de passer toutes les petites étapes et de gagner la partie. Voilà. Et à la fin de la partie, je le redis les amis, vous pouvez gagner un badge, voilà. C'est cadeau, vous pouvez gagner un badge. Et vous pouvez aussi gagner un badge quand vous jouez à celui-là. Voilà. Et vous gagnez ça un badge aussi. Oh, j'arrive plus à parler. En fait, vous gagnez un badge aussi. Et vous gagnez aussi la potion qui va plus vite que le x6. Et vous gagnez vous gagnez aussi un badge quand vous appuyez à peu près 5 ou 10 fois sur le bouton vert qui finit par rouge. Et puis ben voilà. Bon bah c'était tout pour cette vidéo les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Et n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Davy. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye.